Neolith est une startup un peu particulière parce qu'en fait, Neolith a deux produits. Donc Neolith va opérer des fossilisateurs, c'est des appareils qui vont transformer les déchets en granulats. Et le deuxième produit de Neolith, c'est donc le granulat qui va être utilisé soit dans le béton, soit en technique routière. Neolith s'attaque au problème des déchets. En effet, on estime que les émissions de gaz à effet de serre dues aux déchets, donc aux déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets enfouis ou incinérés, représentent à peu près 6% des émissions de CO2 françaises et mondiales. Et donc Neolith a décidé de s'attaquer à cette problématique-là en proposant la troisième voie de traitement des déchets ultimes, c'est-à-dire il y avait l'enfouissement, il y a eu l'incinération, et nous proposons la fossilisation, la transformation de ces déchets en granulats. Neolith a déjà construit un appareil industriel, le fossilisateur, c'est-à-dire une machine qui va prendre les déchets ultimes, les broyer, ajouter un liant secret, puis ensuite mettre en forme pour former des granulats. INRAE nous a aidé vraiment au début de notre startup à réfléchir sur les problématiques de caractérisation de déchets, mais également et surtout sur les problématiques environnementales d'utilisation d'un déchet en valorisation.